Mes frères, nous avons été témoins la semaine dernière de l'événement de la joie déconcertant. Un groupe de musulmans et musulmanes sont descendus dans la rue mécontents afin d'exprimer leur colère d'un ton attristant. Cependant, un fait troublant a attiré mon attention. Des jeunes de cité avec des coiffures d'Iroquois et des pantalons serrés, mélangés à des barbus vêtus de leur tunique s'arrêtant à leur mi-mollet. Il y avait même des femmes en compagnie de leurs enfants et d'autres qui criaient, tels des vendeurs ambulants. Tout cela prétend de défendre le noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois vous a-t-on répété que ces procédés par notre loi n'étaient pas tolérés? Vous prétendez détester les mécréants, et pourtant, qu'est-ce que vous leur ressemblez? N'avez-vous pas de conscience avec lesquelles vous devez vous distinguer des animaux? N'avez-vous pas entendu les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le croyant ne se fait pas piquer deux fois du même trou. Quand comprendrez-vous que tout cela est planifié par vos ennemis? Tout cela dans le but de justifier aux yeux du monde leur ignominie, dans le but de couper vos pieds et vos langues avec le consentement de leurs amis, dans le but de ternir votre réputation d'un ton affermi. Mes frères, si vous êtes incapables de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec vos armes, vos langues et vos biens, l'un d'entre vous a-t-il pensé jeûner un jour au moins, ou de se lever prier juste avant le matin, d'implorer sanglotant celui qui a entre ses mains tout le bien? Si cela aussi vous paraît infaisable, eh bien sachez que rien dans les cieux et sur terre n'est insurmontable pour le sublime, l'incommensurable. Mes frères, le grand érudit de l'islam, Abu al-Abbas ibn Taymiyyah rahimahullah, nous dit: Allah se vengera pour son bien-aimé de ceux qui l'ont critiqué et insulté, et il mettra sa religion au-dessus des autres et scandalisera le mensonge des faux apôtres lorsqu'il n'a pas donné aux gens les moyens d'exécuter par eux-mêmes leur noble dessein. Quand Allah Ta'ala décide, mes frères, de ne pas donner aux croyants les moyens de se venger par eux-mêmes, eh bien, c'est lui qui s'occupe lui-même de venger son prophète, alayhi salatu wassalam. Arrêtez les manifestations, Allah Ta'ala. Pourquoi vous faites ça? Wallah, j'étais attristé en regardant les informations de reconnaître énormément de visages de frères que je connais et que j'estime. Qu'est-ce qui vous a pris? Vous aussi, vous laissez vos émotions prendre le contrôle lorsque vous ne réfléchissez plus? J'ai vu un avec une coupe de cheveux, la hawla wa la quwwata illa billah. On m'aurait dit, sort du bois de Dieu, j'aurais dit c'est possible. Et il est là en train de dire le prophète. Ya subhanallah. Mais c'est bien, comme ils disent, c'est bien fait pour vous. Comme ça, ce que vous n'arrivez pas à entendre avec vos oreilles, vous allez le comprendre avec vos yeux. On vous dit arrêtez, ne le faites pas, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes parti là-bas à 200, 300 personnes. Vous avez fini dans les fourgons des CRS et toute la France parle de vous maintenant. Wala hawla wala quwwata illa billah. Je n'ai même entendu un à la radio, wala hawla wala quwwata illa billah. Un ignorant complet, d'une vingtaine d'années, un jeune, peut-être encore avec des dents de lait, qui commence à dire tout et n'importe quoi. Il est là en train de menacer. Vous allez voir. Tu vas voir quoi? C'est toi, tu vas voir quoi? Tu vas voir le fond de la cellule. Et tu vas être confronté au froid du métal dans le fourgon du CRS. Ou bien des menottes qui te serrent les poignets. Ils vont voir quoi, billah alayk? Ils vont voir quoi? Ce qu'ils vont voir. Et ce que tu vas voir toi, ainsi que tes frères et tes enfants, c'est ces nouvelles lois qui vont encore pondre contre toi et moi. N'avez-vous pas compris que tout ceci est voulu? C'est comme un chasseur qui pose un appât et qui attend patiemment que le gibier vienne le manger pour pouvoir l'attraper. Où est votre façon de réfléchir? Où est votre raison, mes frères? Est-ce que les musulmans avant faisaient cela? Est-ce qu'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui était présent lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est vu renverser un placenta de chamel sur le dos alors qu'il était en prosternation? Est-ce qu'il a dit à tout le monde, venez, on va manifester? Il n'a rien dit du tout. Pourquoi? Parce qu'il était faible et démuni. Il n'avait rien entre ses mains. Qu'est-ce que t'as toi aujourd'hui? T'as quoi? Tu n'as rien. Tu as du mal à venir faire la prière de soupe à la mosquée. Tu as du mal à sortir le catramé et laisser poser ta femme. Tu as du mal à lire le Coran et tu veux défendre le prophète avec rien dans les mains. Tu es sérieux? Là, mes frères, ce n'est pas comme ça que ça marche.
Ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous le mettez sur à ce moment-là, qui est meilleur que toi et moi et nous tous même, il est resté silencieux alors qu'il assistait à cette scène déplorable, c'est parce qu'il y a des raisons. Et jamais le prophète, alayhi salatu wassalam, ne lui a reproché son inactivité. Celui qui est incapable. Eh, les frères là-bas, là. Appelez-le, eux. Appelez-les. Ouais, les deux devant là. On parle pas pendant la khutbah. On rigole pas pendant la khutbah. Vous voyez? On parle du prophète. On parle du prophète qui se fait insulter. Et ça discute. Et ça rigole. Et ça plaisante. Pourquoi nous on a la mosquée se prendre là pour rigoler? Voilà, ils appuient. Regardez dans les chaînes des Arabes et des musulmans. Qu'est-ce que vous trouverez? Des scènes de théâtre. Des concerts. Des gens qui s'amusent. Des gens qui dansent. Des gens qui chantent, des gens qui rigolent, des gens qui font des jeux télévisés, des gens qui font des défilés de mode. Après, on nous dit quoi? On fait des manifestations dans la rue pour sauver le prophète et le défendre. Là, il y a l'Ikhwan. Là, il y a l'Ikhwan. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Tous ces musulmans fatigués là, tous ces musulmans égarés là, c'est eux qu'il faut tirer par les oreilles avant de vouloir corriger les autres. Tes frères et sœurs qui s'en fichent éperdument qu'on insulte le prophète, qui préfèrent passer leur temps à regarder des films, écouter des cassettes. C'est eux qu'il faut attaquer, les rappeler à l'ordre et les corriger. C'est eux. Vous avez oublié les chiites? Vous avez oublié les rawafid, la'natullahi alayhim, qui eux, depuis des milliers, des siècles, pardon, insultent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, matin et soir. Tous les jours, ils l'insultent. Tout le temps. Les chiites, qui se prétendent musulmans, et les nawasib, qui ont fait la guerre à Ali ibn Abi Talib, et à Ahl al-Bayt, ces gens qui osent dire la ilaha illallah, et qui n'en comprennent pas un mot, ni une voyelle. Et après, on veut changer le monde, avec des gens qui ont des jeans serrés, des coupes, des crêtes, de crétins. Là, la ikhwan, ce n'est pas comme ça. Et même si nous, on a les mains liées, menottées et attachées à Allah Ta'ala, rien ne lui est impossible. Et il fait ce qu'il veut. Et même si à la télé ils disent manifestation salafiste, on aura tout vu décidément. Maintenant, on a des manifestations salafistes. On aura vraiment tout vu. Plus on vit, et plus on voit des choses vraiment étonnantes. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alors tu vois des frères avec des barbes et des qamis qui sont là en train de manifester. Bien, c'est bien. Alors qu'il n'y a pas de ça très longtemps, certaines personnes que j'ai peut-être aperçues étaient les premières à critiquer les ikhwan quand ils le faisaient. Là, les ahbabis, ça marche pas comme ça. Tu vois, là, pour côté de toi, avec sa coupe, là, avec son pantalon serré, il est en train de dire, la ilaha illallah. Tu sais, ça veut dire quoi, la ilaha illallah? Non, je sais pas. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ça, c'est quoi, cette phrase? Elle veut rien dire, cette phrase. En français, il n'y a de Dieu que Dieu, ça veut rien dire. C'est pas ça, la signification de ce mot-là. C'est pas ça. Et cette phrase-là est la clé de la porte du paradis. Vous pouvez la répéter tant que vous voudrez. Si vous la comprenez pas, l'appliquez pas, elle vous servira à rien. Alors tu marches avec des gens dans une manifestation qui ne savent même pas c'est quoi la ilaha illallah, et toi tu veux défendre le prophète alayhi salatu wassalam. T'as rien compris, wallah. T'as rien compris. Commence au pied de l'échelle. Commence à la première marche. Et sache que le bébé, avant d'apprendre à courir, il apprend à ramper. Et quand tu commences à savoir nager, tu ne vas pas directement au milieu du bassin. Tu restes à côté du bord, on ne sait jamais, tu n'y arrives plus. Et nous, c'est ça notre problème. J'en ai vu encore un ce matin, un Marseillais. Il dit, moi, j'ai pas que ça à faire d'aller manifester. On a les deux extrêmes. On a les deux extrêmes, toujours. Quand il se passe des choses particulières, on tombe toujours dans les deux extrêmes. Les abusifs et les laxistes, barakallahu fik. Les laxistes. Alors, on dit quoi? Moi, j'ai pas que ça à faire. En plus, c'est dimanche, peut-être qu'il y a un match de foot, peut-être quelque chose. C'est ça. Au moins, la décence et le courage. Et la valeur et la bravoure de dire aux journalistes devant toi, moi je n'ai pas manifesté parce que ce n'est pas des choses qui sont, comment dirais-je, tolérées dans ma religion, mais je suis contre ce qui s'est passé. Vous avez vu là? Il suffit de suivre un peu l'actualité. Il y a le prince anglais là, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne vais pas savoir, je m'en fiche, avec sa femme, qui sont partis faire une tournée dans l'Asie, vraiment l'extrême Orient. Et ils ont été pris à leur insu en photographie, dans des photos qui laissaient apparaître la poitrine dénudée de son épouse. Alors là, on a vu dans toutes les chaînes, oh quelle honte, c'est quoi ça, ils n'ont pas respecté le couple princier, et kada, ils ont porté plainte et ils ont obtenu gain de cause.
Et ils ont forcé les journaux qui ont publié les photos de restituer les photos propriétaires, d'arrêter la diffusion des magazines et de présenter leurs excuses. Ah, des gens comme vous, les princes et princesses, ils ont droit à un traitement de faveur. Mais le prophète, des princes et des princesses, on s'en fiche. Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Liberté d'expression, ça? Ce matin encore, ils ont fait une loi, ou plutôt ils discutaient de la loi concernant l'interdiction de la tauromachie. Vous savez, la corrida. Alors, il y a eu un débat, non, c'est des traditions ancestrales, c'est, ça a une valeur symbolique, tralala, tralala. Et à la fin, ils ont dit quoi? Bon, on le garde. Alors, ça concerne que 2-3 villes en France, à tout casser. Hein. Même pas 10 000 personnes, hein, sur toute la population française. Hein. Et là, ils montent au créneau. Non, c'est beau de voir un homme avec un simple vêtement de soie combattre un taureau et risquer sa vie. Ah, c'est beau. Quand nous, on va tuer des moutons pour le rire. Ils nous font des manifestations, ils nous font des protestations, ils nous font des comment déjà. Ils nous font tout ce que tu veux, oui. Mais quand tu es un taureau pour rien, pour le plaisir, comme ça aux yeux des gens, ça, là on sait ramener les traditions ancestrales. C'est quoi le pire? Tu as un mouton pour le manger, c'est ce qu'ils font tout le temps eux. Ils mangent pas du mouton, jusqu'à preuve du contraire. Ou bien tu es un taureau pour le plaisir. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ الأشياء غرضا. النبي عليه الصلاة والسلام interdit à ce qu'on tue des choses pour rien, à ce qu'on tue des bêtes pour rien. Et j'ai pas le droit, moi je suis avec toi, il y a une bête qui passe, ah je la tue. Haram hada. Après ils nous insultent, ils nous barbares. C'est qui les barbares, billah alaykoum? C'est qui? Mes frères, revenez à la raison. Et si vous n'êtes pas capable de revenir à la raison, revenez à ceux qui l'ont. Écoutez les savants, écoutez les prédicateurs qui vous rapportent ce que les savants disent. Et arrêtez de faire n'importe quoi. Arrêtez de faire n'importe quoi. Les musulmans depuis toujours ne se sont jamais permis d'eux-mêmes de prendre des initiatives de ce genre-là qui concernent toute la communauté. Jamais. Toi, moi, les membres de la communauté, hein, la masse, on n'est pas là pour prendre des décisions ou des initiatives. Ça revient aux khawas, aux gouverneurs et aux savants. Ni à toi, ni à moi. C'est pas on se réunit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une manifestation. Allez, on envoie les textos. Et ils envoient les textos. Et après, ils se retrouvent là-bas. C'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. Normalement, t'es un musulman, tu te retrouves dans une rue avec un journaliste qui veut t'interroger. Tu dis, excusez-moi, je suis un simple musulman. Je suis pas apte à répondre à ces choses-là. Faut demander à nos savants. C'est ça que tu devrais répondre. Au lieu de dire, moi je pense que. Toutes les phrases commencent par moi je pense que. Tu peux être sûr qu'ils vont finir mal. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah ta'ala il nous ouvre les yeux du cœur. Qu'Allah il nous ouvre les yeux de l'esprit. Qu'Allah il nous donne une raison qui nous permettra de bien raisonner et réfléchir. Qu'Allah il éloigne de nous ceux qui tentent à nous nuire. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala se venge de ceux qui ont essayé en vain d'insulter son noble prophète et messager. Ya Allah, montre-nous ta vengeance en eux. Ya Allah, montre-nous ta vengeance en eux. Ya Allah, montre-nous ta vengeance en eux. Ya Allah, fais trembler la terre sous leurs pieds. Ya Allah, fais s'abattre sur eux les astres de l'espace. Ya Allah, fais tomber sur eux les tourbillons et les tempêtes et les cataclysmes. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ô toi le plus fort des forts et le plus puissant des puissants, le plus sage des sages et le plus grand des grands. Montre-nous et réjouis-nous ta vengeance pour ceux qui osent s'attaquer à ton prophète et messager. Ya Allah, nous sommes faibles. Ya Allah, nous sommes impuissants et incapables. Ya Allah, nos mains sont liées. Ya Allah, il n'y a rien dans les paumes de nos mains. Mais toi, ô toi Allah, tu es le plus puissant des puissants et rien ne te résiste. Rien ne te résiste. Tu n'as qu'à dire à la chose soit et elle est. Ya Allah, fais-nous plaisir et réjouis-nous et nos cœurs et purifie nos cœurs. Et assainis nos poitrines. Et surtout, fais-nous plaisir en nous montrant de notre vivant ta vengeance en eux. Et on les verra dire à la télé à ce moment-là, hein, il y a le dieu des islamistes qui s'est vengé des islamistes. Bah oui. Vous pouvez dire islamiste, ça nous c'est pas grave. Vous pouvez dire islamiste, intégriste, extrémiste, salafiste, dites ce que vous voulez. Nous on est des musulmans, alhamdoulilah. Mais quand Allah se vengera, et qu'il n'y aura pas quelqu'un qui aura posé une bombe, ni quelqu'un qui aura tué quelqu'un avec une arme, ce sera quelque chose que vous ne pourrez pas vous-même expliquer. Alors là, vous vous gratterez la tête en disant, finalement, on ferait mieux de ne pas s'attaquer au Seigneur des musulmans. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant
نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم ارحمكم الله